Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Donc ça sera une vidéo calendrier de l'Avent Spa. Donc comme tous les ans, il y a un calendrier de l'Avent Spa. Donc spa, c'est beauté, tous les produits de beauté pour le corps, tout ça, etc. Donc l'année dernière, il y avait un calendrier spa. Donc je ne l'ai pas pris l'année dernière. Et donc cette année, j'ai décidé de le prendre quand je l'ai vu sortir. Il est seulement en promo pour le moment, c'est le promo de la semaine. Il est à 8,95 € et je crois que l'année dernière, il était dans les 10 € et quelques. Donc je vais vous montrer. Donc il est magnifique. Donc voilà, il est comme ça. Donc il y a tous les produits ici. Donc tous les produits qui se trouvent ici. Donc je trouve que c'est super joli, le packaging est super joli avec le petit nœud. Donc celui-là, c'est le spa 2019. Donc vous le trouvez à Action. Donc pour celles qui l'ont pas, dépêchez-vous parce que franchement voilà, j'ai regardé un peu les produits. Donc voilà. Donc et bien sûr, il y aura aussi, ils font deux calendriers dans l'année. Il y aura aussi le calendrier maquillage où il n'y a que du maquillage. Donc moi, pareil, je ne vais pas le louper, je vais me l'acheter aussi. Et bien sûr, je vous ferai aussi la vidéo avec celle du maquillage. Donc on commence maintenant. Donc ça s'enlève très vite comme vous pouvez voir. Donc il était emballé, mais je l'ai déballé et il est comme ça. Alors, je sais pas comment vous pouvez voir. Bon, on va enlever ça. Donc, voilà. Il est comme ça. Vous voyez, ça se détache très facilement. Donc, bon, tapis. Donc, voilà. Donc, il est comme ça. Donc, on va ouvrir. On va commencer à ouvrir le numéro 1. Donc, le numéro 1. Il est là. Donc, le numéro 1, c'est de la gamme Spa. Donc, c'est les bleus. Donc, c'est une crème pour les mains. Donc, c'est ceci. Donc, comme vous pouvez voir, bien sûr, sur la petite étiquette là que je vous ai montrée, il y a trois sortes de couleurs. Donc là, bleu, blanc et rouge. Donc là, c'est la gamme de couleur bleue. Donc, c'est pour les mains. C'est une crème pour les mains. Spa. Donc, l'odeur, je vais vous... Donc, je vais montrer avec vous. Je vais m'en mettre. Donc, ça sent super bon. Ça, je sais que ça va me servir en plus, les crèmes pour les mains. J'ai mis un peu trop. Je sais que les crèmes pour les mains, ça va énormément me servir. J'ai mis un petit peu trop sur mes mains, mais c'est pas grave. Ah, ça sent trop bon. J'aime beaucoup l'odeur. Après, voilà. Moi, je regarde par rapport aux odeurs de produits. Des fois, il y a des produits avec l'odeur que j'aime pas. Donc, mais là, ça va, ça passe. Et... Donc, voilà. Ouais, c'est un... J'ai l'impression que c'est comme gel douche homme. C'est la même odeur. C'est à peu près la même odeur. Donc, comme vous connaissez des gels douche homme, ça sent l'homme. Et là, tu as l'impression que cette crème de main sent l'homme. Mais elle sent super bon. Donc, voilà. Le numéro 2. Donc, le numéro 2, c'est une boule de bain. Donc, une petite boule de bain. Donc, voilà, qui est rose. Alors, il n'y a pas d'odeur spéciale. Donc, voilà. Bon, bah, ça, je pense que... Vu que j'ai pas de baignoire chez moi, je vais pas m'en servir. Donc voilà, je suis en douche. Donc voilà, ensuite nous passons au numéro 3. Le numéro 3, c'est une grande fenêtre. Donc c'est la gamme Spa de couleur blanche.
Donc, c'est une lotion corporelle. Donc, une petite lotion corporelle. Donc, voilà. On sent pas trop parce que je ne veux pas l'ouvrir. Mais ça me sent super bon. Donc, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, nous passons au numéro 4. Le numéro 4, il est où? C'est une petite fenêtre. Donc, alors, le numéro 4, Spa, c'est ça. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est vraiment. Donc, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir avec vous. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors là, d'accord. C'est une sorte de, je sais pas, de lingette, c'est... Donc, peut-être pour démaquiller ou je sais pas du tout. Donc, si vous savez à quoi ça sert pour celles qui l'ont acheté le calendrier Spa de cette année, dites-moi en commentaire à quoi ça peut servir, ça. Donc, voilà. Ensuite, nous passons au numéro 5. Donc, c'est une petite fenêtre. Donc, c'est encore une boule de bain, mais de couleur blanche. Donc voilà. Ensuite, nous passons au numéro 6. C'est une moyenne fenêtre. Donc, alors c'est un pot comme ça. Alors c'est un 50 ml et c'est un body scrunch. C'est un gommage corps. Donc voilà. Ah, l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur, donc franchement l'odeur, j'aime beaucoup, donc voilà, et c'est un 50 ml, donc nous passons au numéro 7, le 7, alors c'est une toute petite, donc le numéro 7, c'est une petite pince à cheveux, donc voilà, bon, c'est tombé, le numéro 8, c'est avec de la gamme blanche, donc flacon blanc, un spa là, c'est un petit gel douche, donc de la gamme couleur blanche, les bouteilles sont blanches, donc un petit gel douche, en espérant bien sûr qu'il y ait un petit shampoing. Donc, le numéro 9, nous passons au numéro 9. C'est une grande case. Alors, le numéro 9, alors il n'y avait rien, mais ça doit être en sachet, parce que ça doit être mélangé, ça doit bouger. Donc, je pense que pas que ce soit ça, mais c'est pas grave. Donc, bon, on va faire avec celui-là. Le numéro 9, donc, c'est du sel de bain, donc, de spa, de couleur rouge, du sel de bain. Donc, voilà. Nous passons au numéro 10. Le numéro 10... Alors, c'est une pince à ongles. Donc là, ils sont bien, il est bien scotché, mais ça tient super bien. Donc, une petite pince à ongles qui est sympa. Donc, toujours, voilà, de couleur rouge. Elle est très sympa. Donc voilà. Ensuite, nous passons au numéro 11. 11, c'est une grande.
Donc c'est un bain de, c'est du sel de bain de couleur bleue. Alors, je crois bien que c'est du sel de bain. Alors c'est des perles de bain. Donc voilà. On sent pas forcément l'odeur par rapport donc dedans. Donc voilà, les deux petits sels de bain. Ensuite, nous passons au 12e. Donc le 12. Donc un peu de mal à les détacher, c'est un peu dur. Donc le 12, c'est ceci, c'est pour les pieds ou les mains. Donc quand vous faites votre vernis, tout simplement. Nous passons au 13, le 13. Alors je ne sais pas si pour celles qui l'ont acheté, si vous arrivez bien à ouvrir vos cases. Donc moi j'ai un peu galéré, je galère un peu. Donc voilà. Donc là c'est un petit gloss transparent. Donc voilà, transparent veut dire qu'on ne risque pas de voir sur les lèvres. Donc voilà. Numéro 14. Alors numéro 14, c'est ceci. Donc je vais ouvrir avec vous pour vous montrer ce que c'est. Ah, c'est un petit bandeau pour faire, par exemple, ça c'est efficace pour faire un soin de visage. Donc ça, je trouve ça vraiment original. J'en avais pas. Donc moi qui fais souvent des crash tests en vidéo, des masques, et franchement ça va me servir, c'est nickel. Donc aussi je trouve ça mignon avec les petites oreilles, c'est trop mignon, donc voilà. Donc celui-là, ouais, ça va me servir vraiment. Ensuite, nous passons au numéro... numéro, je regarde exactement lesquels que j'ai ouvert. 14. Numéro 15. Je savais plus où j'étais. Donc, c'est de la gamme rouge. Donc, c'est un nettoyant visage. Donc, de 30 ml. Donc, pourquoi pas, je vais vous faire un crash test avec ce petit produit-là. Pourquoi pas vous faire un crash test pour vous dire ce que j'en pense. L'odeur, pareil, j'aime beaucoup l'odeur. Nous passons au numéro 16. Le numéro 16, c'est une petite éponge de bain qui est trop mignonne. Donc voilà. Donc ça peut servir. Donc je suis aussi très contente de cette petite éponge. J'aime beaucoup ce style d'éponge. Donc voilà. Alors si vous entendez un peu de bruit, c'est les chats qui sont en train de se bagarrer. Donc voilà. Donc je valide. La 17, donc c'est une plus grande. Donc la 17, c'est une petite trousse de spa. Donc une petite trousse assez sympa. Donc elle est énormément petite par contre. Je la trouve très petite. Donc dedans, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre. Donc je verrai bien de ce que je pourrais mettre dedans qui pourra servir. Donc très petit. Donc voilà, très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, nous passons à la 18. Donc la 18, c'est de la gamme de blanche. Parce qu'il y a trois couleurs. Donc c'est couleur blanc. Et c'est un après-shampoing. Donc un après-shampoing, j'avais déjà le gel douche. Donc j'ai le gel douche de cette gamme-là. Et le petit shampoing. Ensuite, nous passons au 19. Alors, le 19, ça me paraît d'être une brume, une brume corporelle. Donc, voilà, une petite baume corporelle. Donc, je vais tester avec vous.
Oui, bah, j'aime beaucoup aussi. Nous passons à la 20. À la 20. Donc, la 20, la 20. Elle est là. Donc, la 20, c'est un truc poli. Comment on appelle ça qui peut servir, je pense, pour les ongles, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est ceci. Je ne sais plus le nom de... comment on appelle ça. Donc, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Je ne sais plus. Ensuite, la 21. Donc, la 21, c'est comme le... c'est comme justement... comme ça, mais en couleur... la bleue. C'est comme celle-ci, la 21. Donc, c'est... body butter, beurre corporel. Donc, ça doit être une crème sûrement pour le corps. Donc, voilà. Ouais, c'est une crème justement pour le corps. Les produits sont super bons. Donc, vous l'avez en rouge, de la gamme rouge et de la gamme bleue. Nous passons à la 22. Et ensuite, il reste deux cases. Donc, la 22, c'est de la gamme rouge et c'est une crème de jour. Donc, mais je trouve que la gamme rouge sent super bon. Je préfère la rouge que la bleue. Mais c'est vrai que ça sent super bon. Ensuite, nous passons à la 23. De la gamme rouge encore. Donc, c'est un gel douche. Donc, le gel douche. Ensuite, nous passons à la petite dernière, à la 24. Donc, la 24, c'est de la gamme blanche, de la couleur blanche. Et le voici enfin, c'est le shampoing. Donc, voilà. Donc, de la gamme blanche, de couleur blanche, nous avons le shampoing. Nous avons le gel douche et l'après-shampoing. Donc, le shampoing, et c'est des 30 ml. L'après-shampoing... et le gel douche. Donc voilà, il y a les trois. Ensuite, de la gamme rouge, nous avons bien sûr nous avons le gel douche, nous avons le nettoyant visage, nous avons une crème de jour, nous avons le gommage pour le corps. Et bien sûr, nous avons le petit sel de bain. Donc voilà la gamme rouge que je vous montre. Donc voilà la gamme rouge. Ensuite, pour la gamme bleue, nous avons... donc... la crème pour les mains. Nous avons beurre corporel. Et nous avons perle de bain. Donc voilà la gamme bleue. Et bien sûr, la baume corporel. Donc voilà pour pour les bleus. Donc voilà. Donc... j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai bien abîmée. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, si le prochain calendrier de l'Avent,
Ça sera sur mon maquillage, donc je vous ferai une petite vidéo sur ce calendrier maquillage qui sortira je sais pas quand. Donc vous le trouvez, celui-là à Action. Donc je répète, il est en ce moment en promo à 8,95€. Donc si vous souhaitez vraiment, n'hésitez pas. Et si vous aimez les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas vraiment à l'acheter. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt, bye !